En tant que parents et parents concernés pour nos enfants, on se dit qu'il fallait voir qu'est-ce qui se passe à l'école. On n'a pas fait une pétition, parce que si on fait une pétition, on devrait adresser à tous les parents concernés. On parle de 850 élèves, à ce moment-là, il fallait adresser une lettre concernée avec tous les parents. On n'a pas fait ça, on a pris l'initiative pour faire une lettre assez adressive au ministre, mais on a eu l'approbation de parents qui sont venus déposer des enfants ce matin, on a à peu près une soixantaine de parents. Bon, quelque peu la situation a commencé à dégrader, certains élèves ont mal réagi en croyant que nous sommes en train de faire une manifestation, quoi que ce soit comme ça. Les policiers ont été convoqués, par la suite le recteur était venu un peu en retard, il nous a convoqués et c'est maintenant qu'on sort de son bureau avec une note assez, je dirais bien, pas positive, mais nous, pour vous dire franchement, et ça ne relate pas vraiment, nos appréhensions ne relatent pas seulement avec des épisodes, deux incidents qui apparaissent dans le journal. On est craintif pour une chose qui est primordiale, la drogue synthétique. Mm-hmm. On sait, on ne peut pas le prouver valeur du jour, on sait que la drogue synthétique est déjà quelque part là à l'école, qui fonctionne le réseau, qui approvisionne le réseau, reste à savoir, on va aller de l'avant avec la lettre, bien sûr, on demande à revoir l'infrastructure de l'école, on demande à revoir les conditions, les sécurités préalables de base qui auraient dû être à l'école. Il y a pas mal de choses qu'il fallait voir et revoir, mais je pense, on laisse l'initiative à Mme Ducan de prendre la décision finale et aux personnes concernées. J'avais une admission de la commune à Sir Aman Kosman State College à Phoenix, mais pour the sake of convenience, puisque nous habitons pour lui, et étant donné que l'école avait une très bonne réputation, mm-hmm, comme fille de collège, Royal College, pour moi, j'ai cru bon de faire mon enfant, d'admettre mon enfant ici. Mm-hmm. Mais après ce qui s'est passé dans le média, Facebook, etc., bien sûr, comme parents, nous avons beaucoup de craintes, et surtout après ce qu'on a vu dans le Sunday Times, notre principal souci, c'est de vrai pour que nos enfants puissent apprendre dans les meilleures conditions et qu'ils soient en sécurité dans l'enceinte de l'école. Mm-hmm. Right? Et comme Faisal a dit, avec les problèmes de drogue synthétique, tout ça, et tous les parents sont très, très inquiets. C'est pourquoi on vient à l'école et on a entendu la version du recteur. Et donc, on doit écouter tous les parties concernées avant de pouvoir tirer notre conclusion et de prendre des mesures s'il y a lieu.